compositeur, musicien et improvisateur, issu d'une famille de mélomanes. Et dès mon jeune âge, je me suis tourné vers la musique de manière générale, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment intéressé par un instrument, mais beaucoup plus par le monde des sons. Alors, Duel, c'est une œuvre de 45 minutes pour deux percussionnistes et électronique. Je l'ai construite sous la forme d'un duel dit de plaisance en trois manches. Donc dans la première partie, je me suis servi des influences indiennes. Ce sont des parties de solo de tabla que j'ai décomposées pour l'adapter à des instruments qui n'ont rien à voir avec la tradition indienne, puisqu'il s'agit des bongos et des congas qui appartiennent plus à la tradition afro-cubaine. Étant le percussionniste solo du London Symphony Orchestra et Philippe Spisser, percussionniste incontournable sur la scène internationale. The preparation was fantastic because Philippe and Alex came to London. It was the first time that I'd met Alex, but we got on very well straight away. So we had a really intensive period of rehearsal in London for 1 week, which was very productive. On the fifth one. Yeah. L'enjeu majeur est de pouvoir jouer ensemble avec une personne, justement un autre percussionniste avec lequel on n'a pas l'habitude forcément de jouer. Moi je connais depuis très longtemps Neil Percy, mais c'est le premier projet vraiment ensemble. Alexandre Berber, le compositeur, il a écrit une partition presque pour un percussionniste qu'il a divisé en deux, donc on a besoin de synchroniser énormément nos jeux. Et c'est ça un peu l'enjeu, c'est de jouer synchronisé, de pouvoir se répondre dans un temps vraiment parfait. Donc c'est vrai que la gestion du temps est importante, la gestion de l'énergie également. Sounds very simple, but again, it's very complicated writing and it needs to sound like one player. And when you separate things out between two players, you then have to play incredibly precisely for it to sound like one player. So that's an interesting challenge. Troisième partie, changement de décor sonore, puisque les deux percussionnistes se mesurent là avec des percussions en métal. Changement de décor aussi dans l'écriture, puisque je leur ai laissé une part d'improvisation. Pour moi, c'est important que les interprètes puissent avoir leur mot à dire et éventuellement une bonne part de liberté. Dans un duel, il y a une troisième personne, l'arbitre, le référent, celui qui veille au bon respect des règles. J'ai donc décidé de me mettre en scène dans ce rôle-là, entre les deux percussionnistes, ce qui m'a permis aussi d'intégrer plus facilement la partie électronique, puisqu'il y a des parties qui sont fixées, mais d'autres qui sont en temps réel, c'est-à-dire actionnées en live. Terminer cette œuvre, les deux percussionnistes n'étant pas départagés à l'issue des trois manches,
j'ai décidé de rajouter un grand final virtuose et physique qui fait référence, lui, cette fois-ci, au taiko japonais. Le taiko japonais étant cette grande percussion qui se joue avec des manches en bois, soit en solo, soit en duo. The conception of a duel sort of goes back to medieval times, really, where first of all the chevalier or the warrior used to have a glove called a gauntlet, it was called in English, and he used to take off the glove and throw down the glove, and it was called throwing down the gauntlet, which was for the next chevalier to take up the challenge. I'm not sure they'll be happening tonight though. We just tend to have a duel with drums, which is a good thing. Thank you.